Exact. Tu vas jouer dans ton premier... Premier film, premier rôle. Ah bah maintenant je peux enfin le dire parce que je te l'ai caché. Et en fait c'est tout simplement le prochain film de Maurice Barthélémy. Voilà, que j'apprécie énormément, etc. Qui a proposé de jouer dans ce film qui s'appelle Pas très normal activité. Qui est une parodie de Paranormal Activity, mais qui est également aussi un film à part entière. Ça reprend simplement les codes et l'univers. C'est un premier rôle partagé avec Stéphie Selma, qui a joué dans Caisse Départ avec Thomas, voilà. Et puis voilà, tout simplement. Et ça, c'est un film qui n'est pas encore tourné, donc qui va sortir le 18 juin. Donc j'espère qu'on va décrocher la palme d'or du film n'a pas encore tourné. Ouais, ouais, ouais. Parce que c'est un peu bizarre de monter les marches pour un film pas tourné, enfin bon. Ça va reprendre exactement les codes de ce genre de film, en effet, comme tu dis, Blair Witch ou Paranormal Activity. Je suis à fond dans le perso. En plus, c'est un perso un petit peu qui... Enfin, que je ressens bien, c'est un petit peu un hipster bobo parisien. Bon, qui a des tics, etc., que j'aime bien, et je sens que je prends du plaisir à jouer ça, quoi. Bon, je dévoile pas plus sur le scénario, mais c'est un scénario assez barré, assez chépère. Et moi, j'ai bien accroché. Le fait est que je suis, je lui ai dit, complètement fan de Maurice Barthélémy et de Robert des Bois en général. Ouais. Juste, j'ai grandi avec ça à mort sur Comédie. J'étais fan de La Grosse Émission. Et j'ai même fait, quand j'étais plus jeune, des vidéos de Houdin le Magicien, c'est certains sketchs de Robin des Bois. Donc voilà. Donc ça, c'est tes cheveux longs alors, pour le film. Ça, c'est mes vrais cheveux. D'accord. Et c'est mes cheveux longs, voilà. C'est la fameuse coupe moche, là voilà. Merci à vous, bonne soirée. Mais non, mais je pense qu'on va peut-être les couper un petit peu, mais... J'ai pas le droit de me couper les cheveux, c'est horrible. Ça va être pour moi une première expérience, quoi, parce que j'ai jamais fait ça de ma vie, quoi. Un film, quoi. Même une quelconque apparition dans un film, j'ai jamais fait ça. Alors juste parce que, quand même depuis qu'on a montré cette photo de toi en Ryan Gosling, en première... C'est vraiment un super magazine. J'ai envie d'en savoir plus sur ce casting raté de Drive. Est-ce que tu peux nous mettre un peu l'eau à la bouche parce qu'on va le... Non mais si je te dis des choses dessus, j'ai spoilé. Non. Non mais le fait est que en gros, moi je joue une sorte d'acteur un peu prétentieux qui a jamais rien fait en fait quoi. Et qui passe son temps à dire qu'il a fait une présentation d'un court métrage au collège et qui joue super mal quoi. Ouais, c'est marrant à écrire parce que finalement c'est des choses qui sont assez faciles à écrire. Tellement on se met dedans en deux secondes, il suffit de faire tout ce que ferait pas un mec en casting quoi. Moi j'ai fait mon premier casting justement entre guillemets pour le film de Maurice. C'était mon premier et j'ai eu toutes les impressions d'un mec qui passe un casting, c'est-à-dire bon bref, un peu stressant, etc. Tu vois. Et là c'est tout l'inverse quoi, je fais juste n'importe quoi. Parfois c'est un peu du what the fuck. Mais je peux te dire que dans celui-ci à la fin, finalement il me donnait une carte de sushi. Voilà. Ah, une carte de vendeur de sushi pour que je le rappelle. Et voilà, c'est tout. Je peux dire que...